Salut tout le monde, c'est Seb. On se retrouve pour la première vidéo de 2018. J'en profite donc pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. C'est pas très original, mais bon, c'est pas mais grave. Donc on se retrouve sur Dirt sur la deuxième manche du championnat. Donc on se retrouve en Suède. C'est la première étape. On fait comme d'habitude, c'est-à-dire, en tout cas on va essayer, one shot et en setup. Donc on va y aller. J'espère ne rien avoir oublié. On va essayer de se remettre dedans parce que ça fait au moins 10 jours, je crois que j'y ai pas touché. Pas évident la reprise. Gauche 6 sur petit saut. Droite 6, 60 sur petite crête. Attention, gauche 3 continue sur 2 crêtes 80. Droite 4 semi-long 130. Donc Droite comme vous pouvez le voir, j'ai changé la caméra, c'est-à-dire que j'ai changé l'angle de, enfin pas l'angle de vue, la façon de filmer même. Parce qu'on m'avait demandé si je pouvais pas changer parce que la VR, c'est vrai que avec Dirt c'est assez, on va dire, violent. En tout cas quand on n'est pas dedans, c'est pas évident de peut-être d'apprécier. Ça je peux concevoir. Donc j'essaye comme ça, vous me direz ce que ça donne. C'est peut-être moins original, mais bon. Attention, droite 5 sur petit saut et petit saut. Ouh, ouais, quand ça part, ça part. Droite 5 sur saut en nouvelle négative. Gauche 5 sur droite 6 bosses. Gauche 5 et droite 6 semi-long sur bosses en coupé 80. Gauche 5 est serré à droite sur longue crête. Attention, gauche 4 longue s'ouvre après jonction 60. Attention, virage à 90 degrés à gauche 1 et 3. 100. Crête 100. Droite 4 après jonction 130. Gauche 4 sans couper. Droite 4 s'ouvre et continue sur 80. 60 pour 130. Serré à droite sur saut. Gauche 5 long sur crête, 150 sur bosse. Attention, freinage crête droite 4, ouais, continue sur je vais pas prendre 80. le saut. 100 après jonction, crête possible, saut 40. Ouais, je crois que j'ai bien fait. Gauche 4 semi-long sur bosse, ouvre 60 bosse. Droite 4 long après jonction ferme. Crête et gauche 4 semi-long 40. Droite 300. Droite 3 long s'ouvre sur crête ligne droite sur 100. Attention, bosse gauche 4, droite 5. Gauche 3 ferme sur crête. Droite 5 sur bosse 40. Attention, gauche 3 sur crête. Épingle ouverte droite. Gauche 3, 60, crête 40. Enfin, je me rattrape un petit peu de mon début chaotique. Attention, droite 6 sur bosse. Gauche 4 semi-long sans couper 80. Gauche 5 40. Gauche 3 sur crête basse 80. Attention, droite 4 sur crête après jonction. Gauche 2 semi-long et crête. Droite 3 long sur basse ferme. Droite 5 sur basse 40. Gauche 3 long après jonction. Droite 6. Gauche 3 long. Droite 4 sur crête, basse ferme sur 2. Droite 3 sur crête sur arrivée. Allez, allez, allez.
Allez, c'est parti pour la deuxième étape. Hop, première, frein à main. 5, 4, 1, go. Gauche 4 sur petite crête. Prudence, droite 3 ferme sur 2,40 crête. Alors déjà que je connais pas les pistes, si en plus il me faut de la attention, brume. Ouvert, gauche 40. Crête sur gauche 3 long. On va s'amuser. Droite 4 long ferme. Gauche 6 sur crête et petite crête. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, on verra bien. Parce que si moi je vois déjà gauche très 2. Peu, j'imagine le rendu. Droite 6, 60. Droite 4 long sans sur bosse. Attention, petite crête, saut. Droite 6 sur crête, possible saut 40. Gauche 5 et bosse. Droite 3 sur crête, saut 60 bosse. Droite 5 long. Ferme sur crête 40. Ouf, j'ai un peu de chance. Gauche 4 ferme sur 3 et droite 3. Gauche 5 sur crête 40. Gauche 2 sur crête long. Droite 3. Gauche 5. Droite 4 sur petite crête, 60 sur bosse. Gauche 5 crête, 60 sur petite crête. Serré à gauche sur crête sur pointe de long. Gauche 2 dans descente, s'ouvre 6. Ferme sur 2 sur crête. Droite 6 dans descente. Gauche 3 sur crête et droite 6. Gauche 2 s'ouvre 40. Ça va, je m'en sors pas trop mal pour l'instant. On va essayer de continuer. Petite crête 160 après jonction. Attention, droite 4 gauche 1 après jonction. Gauche 5. Droite 3 semi-long saut. Crête 40. Gauche 2. Droite 2 long. Gauche 5 60 dans descente crête. Droite 5 long sur 2 crête 40. Gauche 3 long 60. Prudence, droite 4 ferme sur crête 40. Droite 4 long sur crête. Gauche 2 semi-long 40. Droite 2. Droite 3 semi-long 40. Gauche 2. Gauche 3. Gauche 4 40. Droite 4 semi-long 60 crête. Droite 3 dans descente. Gauche 5 et droite 3 40 après jonction. Gauche 3 long sur crête s'ouvre et ferme sur 2. Droite 2 s'ouvre 60 sur crête possible saut. Sur arrivée. Bon, mais c'est pas trop mal. J'étais prudent, mais ça paye. Allez, troisième spécial. Pour l'instant, on est premier, je crois, au classement provisoire. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Droite 5, 60, gauche 2, tard. Cette étape-là est plus longue que les autres. 5. Gauche 3, semi-long. Droite 4, s'ouvre sur crête. Crête 60, petite crête. Gauche 4. Prudence droite 2, s'ouvre sur crête. Et ferme 3 long. Sur crête après jonction 40. Gauche 3. Droite 5. Gauche 4 dans descente. Crête 60. Gauche 4 semi-long 40. Droite 4 ferme sur 3 et ferme sur 2. 40. Gauche 3 semi-long. Gauche 2 40. Droite 2 semi-long.
Gauche 5 plombs sur crête 40. Gauche 3 sur crête 60. Ouais, là je l'ai vu tout de suite, je suis arrivé trop vite. Gauche 5 plombs sur 2 crêtes. Crête saut 40. Allez, allez, allez. Droite 5. Gauche 2 long. Droite 2 40 crêtes. Prudence gauche 4 fermes sur 3. Droite 5. Le FFB est vraiment très très bien ressenti, enfin retranscrit, pardon. C'est vrai qu'on ressent vraiment les changements d'adhérence en fonction du terrain. Et pour ça, c'est quand même très appréciable. Après, les vidéos que je fais là, c'est juste pour m'amuser, c'est-à-dire que pas pour montrer que je suis le plus fort, loin de là. Parce que de toute façon, c'est pas le cas. C'est juste pour montrer que si vous hésitez à jouer à Dirt, bah, un peu comme moi, j'ai le sentiment que j'ai eu au début. On peut s'amuser en stock comme ça. Crête 80. Sur petite crête et crête. Prudence droite 3 semi-long 60 sur bosse. Gauche 4. Alors c'est sûr, j'essaie de. Droite 5 pas non sur plus de bosse faire de la merde pour la vidéo, mais bon. Droite 2 40 crête bosse. Droite 5 sur gauche 3. Droite 2 s'ouvre 40. Gauche 4 long sur crête. S'ouvre 80 sur bosse et creux. Attention, gauche 4 ferme sur 3 sur crête. Droite 5 40. Ouh, ouh là là, ça va faire mal ça. Sur crête, 130 sur bosse. Ça va faire mal. Ah oui, j'ai pas affecté la touche pour revenir. Magnifique. Qui va me remettre et je vais perdre énormément de temps. Voilà. L'erreur de débutant. Bon, on va essayer de rattraper tout ça. Serré à gauche sur petite crête. Droite 2 40 crête. Gauche 4 crête. Prudence droite 6 sur crête. Allez, on va essayer de travailler pour rattraper ce temps perdu. Essayer de parler un peu moins pour rester concentré. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Attention, droite 3 ferme sur épingle droite. Vitesse et précipitation. Crête 60. Ouais, je fais n'importe quoi là, Sam. Allez, on reprend un peu. Sur 2,80. On la ferme et ça va mieux se passer. Droite 4, 40 bosses. Gauche 4, 40 bosses sur 80. Droite 5, prudence, bosses descente. Gauche 5 sur crête. 60. Gauche 4 long sur crête, s'ouvre 40. Prudence, droite 5. Gauche 4 serré. Droite 5, 60. Gauche 5 et bosse. Droite 6 dans descente. Gauche 6 sur crête, possible 100. 40. Gauche 5. Droite 5, semi-long, 60, bosse. Droite 4, semi-long, 40. Gauche 4 long sur crête, 40. Prudence gauche 4 cordes. Droite 3 sur crête après jonction 60. Droite 3 sur petite crête 40. Gauche 5 après jonction 60. Attention virage droite 2. Sur crête 40 petite crête bosse. Gauche 2 dans descente. Gauche 5 semi-long et crête. Gauche 3 dans descente. Crête 60. Droite 3 serré. Gauche 4 long et crête 40. Prudence, virage droite 5 après jonction. Ferme sur 3 long, 100 sur 2 crête. Droite 6. Gauche 6, 80 crête, possible saut. Droite 6, 100 crête, possible saut. Attention, droite 5. Crête, possible saut. Gauche 4 immédiat et crête. Serré à droite sur longue crête. Gauche 6, 40. Droite 3 après jonction. Gauche 4. Droite 2 dans descente sans couper. 40. Gauche 3 sur bosse. S'ouvre long 60. Droite 4, 60 sur petite crête. Gauche 4 long ferme.
Droite de corde. Gauche de long, fin dans descente. Prudence droite, 5 continue sur 2 crêtes. 83, 5 sur crête. Gauche 4 sur droite 2, 40. Gauche 3 long, corde. Gauche 4 sur crête. Droite 3 long, saut. Gauche 4 semi-long sur crête 150. Ah, ça va pas mieux quand je me tais, quand j'écoute le copilote quand même. Gauche 4 en ferme. Droite 4 en sourd et ferme. Sur crête 100, droite. Serré à gauche à vous sur crête saut. Droite 5, 40, crête. Droite 2, semi-long. Ouais, pas fan des sauts sur la neige. Atterrissage est toujours un peu aléatoire. Gauche 3 long et longue crête. Virage à 90 degrés à droite. 60 crête. Droite 6 crête. Gauche 5 semi-long crête. Droite 5 ferme sur 4 sur crête. Crête 40. Droite 3 semi-long. Gauche 600 sur petite crête bosse. Gauche 100 sur droite 400. Serré à droite sur crête. Gauche 3 petite. Crête bosse 60 crête. Droite 5 continue sur 80. 40 bosse. Droite 4 en crête 60. Milieu sur crête possible saut. 40 serré à droite sur crête possible saut. 40 gauche 6. Serré à droite sur petite crête bosse sur arrivée. C'était compliqué. Allez, dernière spéciale de nuit. 5, 4, on va y aller doucement 3, parce que la visibilité 2, est pas top. 1, go. Gauche 4, 40 bosses sur carrefour. Droite 5, prudence, bosse, descente. Gauche 5 sur crête, 60. Gauche 4 ans sur crête, s'ouvre 40. Prudence, droite 5. Gauche 4, serré. Droite 5, 60. Et ça commence. Gauche 5 et bosse. Droite 6 dans descente. Gauche 6 sur crête, possible saut. 40. Gauche 5. Droite 5, semi-long 60, bosse. Droite 4, semi-long 40. Gauche 4 long sur crête 40. Prudence, gauche 4 corde. Droite 3 sur crête après jonction 60. Droite 3 sur petite crête 40. Gauche 5 après jonction 60. Attention, virage droite 2. Sur crête 40, petite crête bosse. Gauche 2 dans descente. Gauche 5. J'ai vraiment l'impression de me traîner. Mais bon, je vois vraiment pas grand chose. Droite 3 serré. Gauche 400 et crête 40. Prudence, virage droite 5 après jonction. Ferme sur 3 long, 100 sur 2 crêtes. Droite 6. Gauche 6, 80 crêtes, possible saut. Droite 6, 100 crêtes, possible saut. Attention, droite 5. Crête, possible saut. Gauche 4 immédiat et crête. Serré à droite sur longue crête. Gauche 6, 40. Droite 3 après jonction. Gauche 4. Droite 2 dans descente sans couper. 40. Gauche 3 sur bosse. S'ouvre long 60. Droite 4 60 sur petite crête. Gauche 4 long ferme. Droite 2 corde. Gauche 2 long sans dans descente. Prudence droite 5 continue sur 2 crêtes. 80 droite 5 sur crête. Gauche 4 sur droite 2 40. Je sais pas si c'est mes yeux, mais je vois même pas la route quoi. C'est l'enfer. Gauche 4 sur
Droite 3 long, sombre. Gauche 4, semi-long sur crête 150. Gauche 4 long ferme. Droite 4 long sombre et ferme. Sur crête 100, ligne droite. Serré à gauche avant sur crête saut. Droite 5, 40, crête. Droite 2, semi-long. S'ouvre et continue sur crête 60. Gauche 3, long et longue crête. Virage à 90 degrés à droite. 60, crête. Droite 6, crête. Gauche 5, semi-long, crête. Droite 5, ferme sur 4 sur crête. Crête 40. Droite 3, semi-long. Gauche 6, 5 sur petite crête bosse. Gauche 5 sur droite 400. Serré à droite sur crête. Gauche 3, petite. Crête bosse 60 crête. Droite 5 continue sur 80. 40 bosses. Droite 4 long crête 60. Milieu sur crête possible saut. 40 serré à droite sur crête possible saut. 40 gauche 6. Serré à droite sur petite crête bosse sur un ruée. Calvaire la dernière. Calvaire, calvaire. J'y voyais rien du tout. Très très compliqué, très honnêtement, c'est vraiment compliqué. Enfin voilà, donc c'était la deuxième manche du championnat en Suède. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, notamment peut-être sur un open en road, on verra bien. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus, je vous dis bonne journée et à la prochaine. Salut à tous.